Samedi dernier, l'association La Chance aux Enfants organisait une journée olympique sur le secteur de l'Arena Stade Couvert de Liévin. Environ 2500 enfants de la région sont venus découvrir et s'initier aux sports olympiques et paralympiques. On est venu faire plusieurs sports du monde. Bah, escalade, athlétisme, foot, de l'escrime, de la lutte, du relais. Non, je connais pas. Moi, c'est une découverte. J'espère que je vais aller aux Jeux Olympiques. En effet, Ibrahim a des raisons d'espérer, car derrière cette journée, c'était le lancement officiel de l'opération 15 000 enfants au JO de Paris 2024. Le rêve, il est en train de se concrétiser. Et les gens qui me connaissent savent très bien que je reste un rêveur pour le sport, parce que le sport, ça donne une chance dans la vie. Entre remerciements et témoignages, le président Gervais Martel a affirmé avoir obtenu les 15 000 places pour les enfants. C'est réglé. Tout est réglé. Bah, c'est réglé, on a l'accord pour les places. On est en train de discuter pour les moyens de transport, les autobus. On est en train de discuter avec les municipalités qui pourraient emmener les enfants aux Jeux Olympiques. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, des gens à convaincre. Mais bon, les gens, quand il s'agit d'opérations pour les enfants, on arrive assez rapidement à les convaincre. Après, j'ai beaucoup de gens avec moi, donc je ne vais pas dire que c'est facile, mais ça facilite. Un véritable travail d'équipe mené par un comité de pilotage regroupant les principaux acteurs sportifs de la région et des dizaines de bénévoles. Sans oublier le parrain de la chance aux enfants, Jean-Luc Reichmann, animateur préféré des Français, venu soutenir fièrement les valeurs de l'association. Coucou, bonjour. Bah, écoutez, si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement que je suis le parrain de cette association magnifique depuis 4 ans maintenant. Et ce pari complètement dingue d'amener 15 000 enfants aux Jeux Olympiques et Paralympiques, quand il y a des défis de tarés comme ça, je réponds toujours présent. Donc pour la région des Hauts-de-France, en plus, là où ils ont un cœur énorme, et donc c'est pour ça que je suis là, parce que vous avez une mentalité à nul autre pareil, vous avez une énergie à nul autre pareil. Allez, go! Voilà, le projet est parti, objectif Paris 2024. Encore un petit morceau, écoute un petit morceau.